Et voici maman Pig. Ah. Et voilà papa Pig. Une nuit bruyante. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Bonjour à tous. Vous devez être fatigués après un si long voyage. Au revoir. Oui, et nous n'allons pas nous coucher tard. Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir. Allahu Akbar! Tout le monde aime le bruit dans cette maison. Allahu Akbar! Peppa, George, vous dormirez dans ma chambre cette nuit. Oh, c'est super! Peppa et George sont tout contents. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Fermez vos gueules! C'est quoi ce bruit, Chloé? C'est juste l'aspirateur. Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit? J'espère que ça vous dérange. Noni! Il adore le bruit. Il faut dire que nous sommes une famille bruyante. Tout le monde est retourné se coucher et dort à poing fermé. Bébé Alexandre est réveillé. Pourquoi est-ce que Tata Pig joue de la trompette? Ta gueule! Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante? Non. Quand George était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison. Et il ne tardait jamais à se rendormir. Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison? 3, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, plutôt 50. Bébé Alexandre a fini par s'endormir. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Peppa, que fais-tu ici? Allez, ma petite Peppa. Remonte te coucher, je vais te border. Où est la chambre dans laquelle tu dors? C'est la chambre de bébé Alexandre! Ah. Ouais. Je me tue! Peppa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison. Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. J'ai entendu l'alarme. C'est super. Je vous laisse alors à un de ces jours. Vous voyez le résultat? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre.